Bonjour, bonjour. Me revoilà. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé un bon week-end. Que vous êtes grave motivé pour la semaine, une nouvelle semaine. Hop, alors. Bien sûr, comme d'hab, j'avais rien préparé. J'ai pas sorti ma map. Du coup. Eh ben, on va continuer encore et toujours les Éluzies. Et clairement, je pense qu'on va avoir fini aujourd'hui. Normalement, on devrait avoir fini aujourd'hui. Donc, est-ce que vous, si vous pensez à d'autres trucs qu'il y aurait besoin de faire, bah, n'hésitez pas à le dire. Et sinon, je pense que à demain, soit demain matin, soit demain soir, bah, on ira voir Ganon. Je pense plutôt le soir parce qu'il y aura plus de monde, mais voilà, je sais pas, je suis pas encore décidée. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur quand vous préféreriez. Alors, on met aussi les armures et les entrées de grotte. Hop, voilà. Voilà, j'ai été agréablement surprise cet après-midi. Souvent, quand je joue à Octopath Traveler, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Et là, cet après-midi, ça allait. J'étais plutôt contente. Alors, par contre, j'ai pas de son sur la télé. Donc, on en était par là. Nien, nien, hop, hop. Bah, du coup, voilà. On avait eu l'Éluzie de cette zone. Je vais rezoomer là où on en est, hein, sur ma map. Et salut BH Papineau! Oh, il y en a une ici que j'avais pas notée. Je vais vérifier que c'est bien là. Ouais, c'est bien là. Oh! Pas mal. Sinon, ça aurait été. J'ai du bol quoi, parce que ça se trouve, j'aurais dû refaire, mais vraiment toute la map. Donc j'espère que j'en ai pas loupé d'autres. Sinon ça va être un peu long et fastidieux et frustrant. Clairement. Ah, j'ai pas mis les puits sur ma super map. Hop, well. Donc c'est parti. Bon, du coup vous êtes trois. Sur les trois, il y a Flork et BH Papineau. Hop. Pfiou. Bon, et du coup, pour les ongles, je sais pas encore exactement quand, comment, pourquoi je pourrais faire ça. Je pourrais vous streamer parce qu'il faudrait une cam, mais j'ai pas envie d'acheter une cam. Voilà, je me suis pas encore décidée. J'ai très envie de faire ça, mais c'est un peu compliqué. J'ai du mal à m'y mettre. Hop! Alors, normalement, ici, il y avait une entrée de grotte. Donc, je vais checker. Ouais, c'est bien à cet endroit-là, en théorie. Donc, est-ce qu'on passerait par en dessous? Il y a un truc. Un champignon! Est-ce que ce serait en dessous? Bien non. Je sais pas comment on y va dans ce cas. Small hole in the side of the hill. Ok. À quelle hauteur? 0,77. Ok, donc c'est plus haut. Coucou Lolo rigolote. 0,60. Donc c'est même plus haut qu'ici. J'espère que tu as passé un bon week-end. Donc on a 10 et plus haut. 0,77, très bien.
Ah oui. Ah oui, c'est vraiment un petit trou, quoi. Ok. Je voudrais le goron. Où est-ce qu'il est? Là. Super. J'ai double-cliqué, très bien. J'ai besoin de rien. On lui demande. Je m'attendais à me faire exploser la tronche. Oh, il y avait un lézard mort. Super, un coffre. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Un espadon royal. Qu'est-ce qu'on s'empête? Mais d'une force! Bon, j'ai réduit un peu le bouclier modérateur là. On va voir. L'autre jour, j'ai dû valider le mot bras. C'était un peu frustrant. Donc voilà, à suivre. On va voir ce que ça donne. Hop, allez-vous. Donc là, c'est fait. Donc on va aller jusqu'à de là. Je vais me faire un drone tank, hein, clairement. Ah oui, mais j'ai plus beaucoup de. Plus beaucoup de sonium. 1, 2, 3, 4. 1, 1. Après, c'était pas le meilleur plan du monde. Continuer si elle fait des arbres de partout. Mais bon. Soyons fous. Là, il y a des bananes. Ah, là, il y a une personne en détresse. Donc, ah, c'est mon épée. Ah, comme on se retrouve. Moi, je continue de voyager à la recherche d'insectes. Pour fêter notre trouvaille, je vais te donner un autre cours d'entomologie du professeur Utrick. Ah. Si tu aperçois un scarabée sur un tronc d'arbre, il faut t'approcher tout doucement si tu veux l'attraper. Plusieurs espèces de scarabées ont été observées en Hyrule. Le scarabée lâne, qui tonifie les muscles. Le scarabée armo, qui rend le corps plus résistant. Et leur roi à tous, le scarabée enduro, au corps doré. On peut le trouver en Akala, au nord-est et dans l'est de Firon. Ah. Encore une chose, les scarabées ne sortent pas le jour, alors si tu en cherches, il faut le faire la nuit. Ceci conclut le cours d'entomologie du professeur Utrick. À une prochaine fois, j'espère. Alors, hop, je vais récupérer mon petit véhicule. Ah mais j'étais déjà venue là? Ah bah oui, j'étais venue voir le Korogu. Oui, lui est au sous-sol, je m'en doute. Il faut juste que je retrouve, que je vois l'entrée de la grotte. Là-bas, il y a des monstres. Alors. Ce serait-il bien là, hein? Ouh là là, ça m'a l'air profond. Grotte du lac Magir. C'est super, il fait tout humide, ça va être relou à escalader. Des loupiottes. C'est louche. Je pense que je vais tomber sur des higas ou des trucs comme ça.
Ok, je vois les usines. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Pas de tenue. Ok, tout ça pour ça. Et il va falloir qu'on monte en haut des yeux là. Mais il fait humide. Est-ce qu'il y a un endroit par où on peut monter ou est-ce qu'il faut... Pas du caillou qui se casse tout ça? Ah non, quand même. Mais j'ai l'impression qu'on peut monter par là. Ouais. Comment je monte là? Même pas devoir me faire un drone tank à l'intérieur de la grotte. Mais en vrai, je pense que ce serait le plus simple. Ah non, ou alors. Ou alors, je me mets une plateforme de glace là-dessous. Et qui sera assez haut pour. Ça peut peut-être le faire si je la mets au bon endroit. Ou si j'en empile plusieurs, ou que sais-je. C'est pas ça que je veux, c'est ça. Ok, faut que j'en empile. En pilon, en pilon. Parce que j'ai pas l'impression que c'est du... Ah oui, mais... Si j'empile, ça gagne pas en hauteur. Ça s'enfonce. Mais ça m'a l'air vraiment pas loin. Ah! Pourquoi? J'ai fait quelque chose, il semblerait, qui a fait augmenter le niveau de l'eau. Ou alors c'est qu'il pleut dehors. Ok, donc faut attendre qu'il pleuve dehors. Ok, d'accord. Ok. Soit. Ok. C'est étonnant. Ça c'est fait. Très bien. Et ben du coup, on va finir les grottes là. Il y avait des monstres, donc ils sont probablement revenus. Donc ce serait pas drôle. Et du coup, bah j'avais pas cherché, je pense, ni trouvé du coup, les élusies. Hop. Un petit check un peu global. Hop. Hop. Ok. Et ben je vais me re-téléporter là. Hein. Et puis on ira en planant. Voilà, j'espère qu'il fait pas trop chaud là où vous êtes et buvez. Buvez beaucoup d'eau. Allez, plein nord. Ah oui, mais du coup, il y a de l'orage, quoi. On va mettre le chapeau.
sens qu'il va falloir que je monte. Ah non, mais du coup, peut-être je vais remonter par les cascades. Je vais mettre la tenue Zora. Enfin, la combi, veste, le haut, quoi. Je sais pas l'aérodynamisme de ce chapeau. Si je reste là, je vais rester là jusqu'à ce que je me prenne la foudre. Comme ça, il mourra pas. Bon, peut-être on va quand même éviter de se laisser se noyer. Mais j'aimerais monter quand même. Alors, une grotte. Grotte du lac de Lutte. On a des chouchous. Parce qu'en fait, on est déjà venu ici pour une quête. Il fallait battre. Ça devait être quoi? Un inox, je pense. Et si. Ouais, je peux pas me faire avec l'autre côté par un, on est d'accord. Très bien. Pratique quand même. Ah oui, mais moi je cherche pas le monstre, je cherche les musées en fait. J'ai bien fait de m'en rappeler, hein. Bonjour monsieur. Hop, ça c'est fait. On va se taire. Je vais vérifier. Non. Parce que je me disais, peut-être ça communiquait les deux grottes. Et du coup, j'avais peut-être fait l'élusie de l'autre grotte. Mais non. Quand ça communique, en fait, il n'y a qu'un seul élusie. De toute façon. Après, ça m'arrangerait de pouvoir m'infiltrer au plafond là, mais. Ouais, non, trop loin. Mais. Allons-y! Normalement, mardi journée, donc le matin et le soir, je serai pas là. Je vais ranger des Legos. Ça va être rigolo. Alors, pouette toi-même, déjà, demain. Je sais même pas où il est. Ah, il est là-haut.
Alors, la grotte. Donc, elle doit être derrière la cascade. Donc, il faut que j'enlève ma tenue. Sinon, je vais juste remonter la cascade. Un, deux, tout le temps. Indéfiniment. Mais. Que je trouve l'élusine. Ça m'a l'air grand comme grotte si je le capte pas encore. On va changer de capot. Oh, il fait trop humide. Ouais, hein. Ouais, non, je vais me sortir de roues. J'en ai, je sais pas combien, j'en ai 94. Et il va falloir que j'aille me refaire un peu de stock, je pense, pour dans les profondeurs. Pour... Oh, flûte, j'ai pas appuyé sur le bouton. Pour aller combattre Ganon aussi. Fabrique. C'est parti. Vroom, vroom. J'étais pas venue dans cette grotte? What? Ok. Bon, je trouve ça étonnant parce que ça me disait bien quelque chose. Mais... Après, il n'y a pas de tenue dedans. Il y a des armes et des batteries partout. C'est vraiment, tu te fais un temps. Ah oui, c'est vrai, ça avance tout seul. Parce qu'ils mettent l'usine au niveau supérieur. Ah mais je suis... Ah mais ok, ça jointe. Ok. Très bien. Alors toi déjà. Je vais juste aller à la sortie pour que ça me la marque sur la map. Voilà. Mais ok. Et du coup, les usines ils mettent au-dessus. Donc je vais essayer de me TP là où il me dira au-dessus. Hein. De m'inquiéter, pardon. Au pire, je retourne en arrière. Hein. Bon. Je pense que je vais arriver en haut de la montagne. Donc, autre stratégie, va falloir chercher.
Après la grotte, elle continue par là-bas. Peut-être j'aurais pu mettre un pare-brise. On rigole, mais oui. Il y a plein de pare-buffles à mettre. Bon, ça va pas assez vite. J'ai jamais trouvé de machine qui aille assez vite à mon. Je sais pas c'est quoi ce pic. De colonnes là. Donc, je sais pas où il est. Il est par là. Ah non, par là. Ok, donc il doit être en haut de la spirale. Ah, ça y est. C'était un peu couru d'avance, hein, clairement. J'avais un peu la flemme d'éviter le truc. Tadam. Bon, il y a probablement des coffres, mais il n'y a pas de tenue. Donc je vais pas m'enquiquiner et me faire toute la grotte pour trois pauvres armes que j'utiliserai pas. Surtout qu'ici, j'ai des pauvres armes que j'utiliserai pas. Hop. Très bien. Et ben continuons. Hein. Ça c'est fait. Enfin continuons, continuons. Je n'ai. Ah si, j'ai une grotte de marquée là. Et sinon j'ai plus de grotte de marquée. Si j'en ai vu une autre par là-bas. Ça m'inquiète un peu parce que j'ai. Ah, 98. Espérons qu'il en ait besoin de 100. Et que ça et ça ne soient pas des puits. Si c'est des, s'il y en a un des deux qui a un puits ou si c'est un endroit où il n'y a pas d'élusie, c'est la tuile. On va aller vérifier par ici. Qu'est-ce que c'est que là? Là, c'est un puits. C'est la tuile. Va falloir tout se refaire la map. J'ai un peu le seum. On n'en est pas là. Ça se trouve, il n'y en a que 98, hein, des élusies. Après, là, j'ai pas été bien. Touk, touk. Ouais, si. C'est ça qui est un peu relou, c'est que bah, sur la map interactive, je peux pas lui dire ce que j'ai fait. Le vieux coup de bol. Par hasard, j'ai vu que j'avais pas eu ce. C'était lui. Hop, et du coup, ici, là, c'est un puits ou c'est. Excusez-moi. Ça, là. Ça, là, c'est rien. Ça n'existe pas. Ça, c'est un peu embêtant. Je suis un peu triste, clairement. Après, peut-être que Coltine va me dire s'il en manque ou quoi. Ah. Euh,
Alors attendez, faut que je dézoome. Machin d'entraînement. Non, là, il n'y a rien non plus. Bon, bah, on va aller faire le puits. On va aller faire ça. On va d'abord faire ça. Et après, on cherchera Coltine. Donc, c'est le cousin de Kilton. Touk, ça va être dans. Parce que c'est marqué où est-ce qu'il se met. Collectible Service. Coltine. Hop, et puis on attendra la nuit et puis on ira à un de ces endroits. Très bien. Hop, on va aller se faire donc cette grotte. Donc par là-bas. Après, j'ai l'impression que les Élusies, ils les repèrent vraiment de loin. Donc peut-être que. Voilà, si je prends. Alors, ce sera pas avec un flâneur, parce que. Hein, site des hauteurs des peupliers. Donc j'étais venue au moins. Oui, ah oui, et puis j'étais bienvenue en plus. Ok. Je vais voir si je peux m'infiltrer. S'il faut faire le tour. Je pense qu'il va falloir faire le tour. Cherchons, cherchons. Oh. Oh non, c'est la tuile. Je suis une patate. Suis bloquée, faut que je me retépée. Dans Phoenix, au moins, dans ces endroits-là, t'as un truc pour t'ouvrir la grille. Tu te retrouves pas comme une patate, là? Bon, c'est un peu de ma faute aussi et tout, hein, mais quand même. Recommençons. Pour la peine. Donc là, le puits joint avec la caverne. J'essaie de voir s'il n'y a pas un. J'ai pas un caillou qui. Ah bah voilà, le trou. Très bien. Bon, donc nous avons 99 pierre d'Élusie là. C'est le jeu de la vie. Et il y a 150 caves. Donc, j'espère, franchement, j'espère qu'il va me donner au moins la région ou quoi. Et sinon, ouais, je suis vraiment désolée, mais ça va être un peu long et fastidieux pour trouver le dernier. Bref, on va déjà aller se faire ce puits-là. On attendra la nuit. Je
suis un poil en panique quand même. Après, s'il en manque qu'un, j'ai quand même pas trop mal taffé, quoi. Pour dire, sur les 100 qui me restaient. J'aime bien chercher. Et ça se trouve. Parce que je me pose la question s'il n'avait pas dit 106 qui restaient. Donc on va voir. Je crois qu'il courait. Ah, parce qu'il pleut. Ah bah si. Sabak. Si tu vas à l'est, tu arriveras au domaine Zora, Osef. Il paraît que la route qui va au domaine Zora est dans un sale état. Vraiment, je l'ai toute nettoyée. Oh. Non mais oh. Tu savais, toi, que les puits mènent aux enfers? C'est ce qui se dit, en tout cas. Je le savais. Je me doutais que t'en avais dans la caboche, le héros. Il a dit le héros, c'est un Iga. Alors, bienvenue dans les enfers! Je vais venger le grand Kogar. Mais qu'il est moche. Pour ça. Pareil, les puits, je sais pas combien j'en suis. En tout cas, il n'y a pas de tenue, donc allons-y. Eh ben, on va aller à un endroit où il y a Coltine. Touk touk touk, on cherche une petite amphore sur la map. Voilà, très bien. Bof, en fait. Parce que si on va chez les Gerudo et tout, on va avoir chaud, froid, chaud, froid. On va aller ici. Au moins, on aura froid, 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 froid. Et ce sera cohérent. Très bien. Allons-y. Puis on va attendre la nuit. On ne sort que la nuit. Donc là, l'avenir de la prochaine heure se joue maintenant. Soit pendant la prochaine heure, je vais juste chercher les Lusi et on vous joue un peu tranquille. Soit je vais dire des gros mots en me faisant toute la map. Hop. Touk touk touk. Puis il faudra que j'aille aussi sur l'île du Prélude. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des Élusi dans les grottes? Hein? Parce que là, il semblerait qu'il y ait une grotte, du coup. Attendez, attendez, peut-être c'est moins la misère que prévu. Non. Il n'y a pas du tout de grotte à cet endroit-là. Il y en a une. Hein? Il y en a une ici, normalement. Ok. Bon, donc c'est peut-être pas la fin du monde. Hop, et du coup, voilà, c'est là qu'il y a la tenue que je n'ai pas eue au début, que je suis restée mes 15 plombes à poil. Hop, ouais, tant que je suis là, je finis de... Voilà, là, la grotte de la fosse. J'ai pas récupéré les Lusi. Hop. Il y a une grotte. Ok. Voilà, là, il y a la tenue que Kiki Sam m'avait dit. Mais elle est plus là, il semblerait. Ok, bon, donc on c'est pas la fin du monde. On va quand même, voilà, tant qu'on est là, on va quand même essayer d'aller le voir, savoir si combien. Hop, on va attendre jusqu'à la nuit. Hop, alors, normalement il se voit de loin, voilà. J'ai un peu la flemme de courir. On va se faire un glisseur.
crois qu'il y avait des monstres avec les chevaux. Bonsoir, voyageur. Rien ne peut me dissuader de devenir un Satori. Même pas ce temps exécrable. Je ressens la présence de deux élusies en tout. Un jour, leurs cristaux seront à moi. Où trouver des élusies? Je n'arrive pas à localiser d'élusies. Donc il en reste deux. Comment ça, deux? Ça fait qu'il y en a 101. Ok. Très bien. Et du coup, deux, je... Bah du coup, je crois savoir où sont les deux. Je pense qu'ils sont tous les deux là. Très bien. Tant que j'y... Pardon. Ah, c'est un puits, ok. J'allais dire, tant que j'y pense, je vais aller regarder les puits. Et du coup, je vais aller à ce puits-là, et après, on ira à Fort de Gay, et on ira voir si je les ai tous, les puits. Donc ouais, il ressent les deux, et il peut pas les sentir, donc c'est qu'ils doivent être dans le ciel. Ok, très bien. Notre vie n'est pas finie. Super. Du coup, j'hésite un peu de quand est-ce que j'irai faire Ganon. Enfin. Franchement, je pourrais me téléporter avec mes objets, hein, ce serait pratique. Pouf, sur mon petit glisseur, là. Voilà, en plus, je regardais pas l'écran. Mais il pète quand même, ce bouclier. Même si mon tatouage est beaucoup plus joli, vu que mon tatouage c'est une aquarelle du logo, mais quand même cool ce bouclier. Hop, un petit puits. Puits de la citadelle. Il n'y a pas de tenue donc, ni d'élusie vu que c'est un puits. Ok. Une hallebarde royale. C'est naze. C'est tout pourri. Garde tes mouises là. Donc allons voir ici. Si on a eu tous les puits. Après les puits, il y en a moins, il y en a 56. Donc, et ils se voient bien sur la map. Donc au pire, s'il en manque. On va voir. Le gars, il est dans le puits qui est là-bas. Ah si, on a dit qu'il fallait aller voir Prua avec la tenue moche. Bref. Alors, je suis vraiment désolée. Non, on va lire ça. Et après, je ferai une pause technique. Sur les parois de certains puits, on trouve parfois des gisements affleurants. Je me dis souvent que si j'arrivais à les briser, Tiens, on va lui donner la position de certains puits. Dis-moi qu'elle les a tous. Merci. Donc cette fois, tu m'as aidé à localiser 9 puits. Donc 90 rubis, merci. Désormais, il devrait nous rester encore 4 puits.
Ok. Eh ben, pause technique et je reviens tout de suite. Et mais les puits, on va plus facilement les retrouver sur la map. À tout de suite. Me revoilà! Hop! Donc il reste 4 puits, très bien, ok. C'est un peu nul, mais soyons fous. Hop, ouais, il se voit plutôt bien à ce zoom-là. Donc on fera les puits après, quand on aura vérifié qu'il nous manquait que cela de Délusie. Hop, je mets la map du ciel. Et allons-y. Il y a un truc sur la map, je sais pas ce que c'est. Sur la map interactive, c'est pas vraiment des logos, je sais pas, c'est louche. Bref. Donc, où est-ce que je vais me TP? Parce que le pouvoir de revenir, chambre de l'éveil. Parce qu'il y en a un qui est super haut, un qui est super bas. Je pense que ça doit être celui qui est tout en haut. On va voir. Là, il n'y a pas de puits sur cette île-là. Et donc, il semblerait qu'il m'en restait deux, mais que dans le ciel. Donc, je m'envoie peut-être beaucoup de fleurs, hein, mais j'ai trouvé tous mes élusies. Enfin, je ne l'ai pas trouvé toute seule de rien, mais quand même. Hop, allez. Cette tenue, archaïque legwear. Legwear, je suppose que c'est le pantalon. Hop, donc nous on va par là. Donc voilà, là on est sur l'île. Je sais pas comment il l'appelle. Île céleste du prélude. Voilà, c'est grand, c'est haut, c'est. Donc ça, ces piafs là, ils donnent de la viande et pas de la volaille. Voilà. Donc une grotte où je n'étais pas allée.
Grotte du bord de l'étang. Donc là, je vais avoir la tunique. Voilà, très bien, la vieille toge. Ça, je peux pas les péter. Ok, tout ça pour ça. Et donc, je vais aller chercher l'autre entrée de la grotte. Plein de petites chauves-souris. Super. Hop, ça c'est fait. Et donc on a dit Zizi. Je vais venir là pour chercher mon. Alors Greaves. Ah, je sais pas lequel. Entre Legwear et Greaves, c'est quoi qu'il y a sur la tête, c'est quoi qu'il y a sur les gambettes. Legwear, enfin, je dirais bien que. Je vais me mettre à chercher les coffres. Parce que là, il me reste qu'un seul Illusi, je sais à peu près où il est. Ah, mais non, Wormgreaves. C'est pardon. C'est les bottes de chaud, les bottes fourrées. Donc il devait pas y avoir de chapeau. Donc il doit y avoir ici. Bah du coup j'ai le pantalon et j'ai la tunique et du coup il semblerait que j'ai tout. Ok. Très bien. Et donc nous on va ici dans cette grotte là. Donc ça, on va effacer. Hop. Et c'est quelle grotte que je veux? C'est celle-là. Je vais mettre une balise. Sinon, je vais jamais m'en sortir. Et du coup, grand suspense. Donc Coltine, il veut manger ses cristaux pour se transformer en Satori. Le grand bouc là, lumineux. Et du coup, bah, au début, il te demande 3 cristaux, 4 cristaux, machin. Et à chaque fois, ça le transforme pas en Satori. Mais du coup, est-ce que là, ça va vraiment le transformer ou est-ce que juste il va être malade? Voilà, grand questionnement. Parce que je pense qu'on a mis 20 heures à faire les élusives, peut-être. Même peut-être plus. C'est tout ça juste pour qu'ils vomissent. Très bien. Vous avez trouvé tous les cristaux d'Élusi. Coltine sera ravi de l'apprendre. On a dit Coltine, il est pas. Il y en a un par là. Eh ben très bien. Je peux recacher toutes les grottes. Et je chercherai donc les wells. Les puits.
Bah, je suis pas peu fière, je vous avoue, franchement. Après voilà, je me suis aidé de la map, mais on a bien taffé. On va changer de chaussures. Ok, caisson. Attendez, mais j'ai pas eu le chapeau de spectre? Ah si, je l'avais juste pas. Puis au début, en plus, bon bah tu faisais un truc de Satori. Enfin, tu lui filais les. Ah, désolé. Hein. Tu lui filais les cristaux, puis te filais un masque de Bokoblin, un masque de machin. Moi, je les utilise pas trop, mais en fait, en gros, tu les portes et les monstres, ils te repèrent pas. Ils pensent que bah t'es un Bokoblin ou. Il y avait aussi dans le 1, et j'ai jamais vraiment utilisé. Oh, mais ce n'est pas du tout mon air! Oh non! Sérieux! Ils peuvent pas disparaître comme ça, donc t'y vas et tu te retrouves comme un con. Supportable. Alors qu'il est 4h soir du matin. Bon, je sais que pour certains, 4h30 du matin, c'est le matin, mais non. Eh ben, dormons jusqu'à la nuit. Aïe, aïe, aïe. Mais allez, mais... Pardon. Mais du coup, il peut pas popper non plus pendant que... Oh là là. Scrognugneux. Je pensais à un truc qu'il fallait que je fasse. Comme quête annexe. Bah, je me rappelle pas. Il a intérêt à être là. Après, sinon, je peux me faire une petite carriole. Avec une roulette. Elles sont... Ouais, peut-être. Par contre, les roues, les petites roues, elles ont intérêt à rouler dans la neige quand même, parce qu'elles étaient proposées ici. Ok. Ça va pas être une bête de course, hein. C'est nul, mais nul. Mais tellement nul. Ok, on se barre, c'est bon. Bon bah ok, je vous laisse. Alors, est-ce qu'il va se transformer en Satori? Bonsoir voyageur, rien ne peut me dissuader de devenir un Satori, même pas ce temps exécrable. Je ressens la présence de, eh bien, d'aucun élusif. Mais c'est impossible, ça voudrait dire que, voyageur, tu aurais récupéré tous les cristaux d'élusif. Et tout ça... Pour moi? Tiens. Oui! Quelle joie, quel bonheur! Enfin! Je touche enfin au but après toutes ces années. Phew! Nous y sommes! Le moment de vérité! Vomi! Vomi! J'ai appris à dire ça, Raphaël. Tout
tout à l'heure, j'ai dit vomi, vomi, et après elle a pas arrêté de répéter. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas comme d'habitude. Qu'est-ce que... Ça fonctionne ? Je change ! Je deviens enfin un Satori ! Je n'ai hélas plus de trésor à t'offrir, voyageur. Sérieux ? Mais accepte tout de même ceci en remerciement. Je l'ai confectionné moi-même. J'aurais dû regarder sur internet avant de le faire. Et Fleur qui glousse à côté, ça m'aide pas du tout. J'aimerais que tu le montres à Kilton. Transmets-lui mes meilleurs voeux. Voyageur, merci infiniment de m'avoir accompagné sur le chemin pour réaliser mon rêve. Tu m'as tellement aidé. Peu importe le résultat, je n'aurai aucun regret. Je suis sûre qu'un jour, nous nous reverrons quelque part. Mais c'est pas un Satori, c'est un Rumi. Donc ça a marché. C'est quand même pas mal. On peut y tirer dessus? Oh. Bon, le fait qu'il se soit transformé et tout, ça me met un peu de baume au cœur, mais... Mais j'ai bien le seum quand même. Franchement, j'espère que Kilton... Parce qu'il m'a dit d'aller voir Kilton. J'espère que Kilton, il va m'offrir un beau cadeau. Parce que franchement, là, les deux cousins... Punaise. Je sais pas, j'aurais pu avoir un masque de Satori au moins, tu vois, ou une pauvre paravoile. Ça c'est ma maison. Non mais sérieux. Elle a intérêt à être belle la paravoile. Non mais sérieux. Oh voyageur, tu voulais me demander quelque chose? Quoi ? Pas croyable ! C'est donc ça qui est arrivé à Coltine. Merci de m'en avoir informé. Quoi qu'il en soit, le résultat importe peu. Je suis sûre que c'est ce qu'il voulait. Sur ce, je vais conduire sa roulotte jusqu'à cet endroit qu'il aimait tant. S'il te plaît, pense à lui quand tu utiliseras les trésors qu'il t'a donnés. Il a toujours œuvré à la réalisation de ses rêves avec conviction. Je vais en faire autant, et les miens aussi se réaliseront. Il me donne rien en fait. Mais ouais, ok, NTM. Oh. Donc nous allons aller à Elimit pour regarder notre voile de paravoile. J'ai le seum intersidéral là, franchement. Je passe ma vie sur internet à regarder les Soyuz de partout. Et à aucun moment je me suis dit, tiens, si je regardais ça. Très bon, c'était cool, on a visité le monde, tout ça. On nous a bien occupé. J'aurais eu le temps de finir deux autres Zelda là depuis. Et franchement, elle a intérêt à être belle. Alors, rénove ma paravoile. Disons quand on aime les Satori, c'est bien. C'est pas si pire. Voilà, parce que quand je vois Goutier ou celui sur les chevaux là qui est bien bien kitsch. Bon. Allez, salut. Raya. Non mais sérieux quoi. Bref. Allez, on arrête de râler. On arrête les scrogneux, on va acheter des citrouilles. Après, on va faire le tour des puits. Il m'en manque que 4 des puits.
donc si on me file un truc nul, je serais moins triste. Peut-être. Je pense que je vais en rêver cette nuit. Bref, allons-y. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. On a été voir Coltine. Hop, et ben regardons les puits. On en a un ici, très bien. Un là, ok. Non, un là, très bien. Ensuite, chez les Gerudo, il n'y en a pas. Il y en a. Un là, oui. Un là, oui. Très bien. Un. Là, ok. Un ici. Un ici. Il m'en manque peut-être un là. Non, un ici, un ici, un ici. Très bien. Un ici. Ok. Ensuite, un. Là, ok. Un. Là, ok. Un là. Ok. Et, ah, non. Et un là. Très bien. Ok. Donc là, c'est cette zone, c'est fini aussi. Hop, 1, 2, 3, 4. Très bien. Et 5, ok. Ensuite, un là, un là. Un là. Un là, un là. Là, un là. Ok, je pense que je suis en train de repasser plusieurs fois aux mêmes endroits. C'est toujours mieux que l'inverse. Donc, un là, ok. Un. Là, ok. Touk touk touk, un là. Ok. Hein? Un là, un là. Un, deux, trois. Je suis désolée, en plus je m'y crans, mais tellement à l'arrache, tellement comme une patate. Il n'y a rien qui va, les zones je fais n'importe comment. Touk touk touk. Donc oui, on a fait tout le sud. On en est au gros tas qu'il y a là. Il y en a pas mal ici. Il y en a combien exactement là dans les marais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, alors. J'ai celui-là. Ok. Celui-là, ok. Celui-là. Ok. Mais. Hein? Il y en a un là. Donc celui-là, ok. Et il y en a un là. Donc on a bien dit, il en manque 4. Hein. Ouais, il en manque 4. Donc on en est à 2. Là, là. Je trouve là, là. Ah, et un autre encore. Ici. Eh ben, donc il nous en manque un maintenant. Et celui qui nous manque est ici. Bah c'est même... Bon bah ça va, c'est vraiment juste cette zone parce que je pense qu'il n'y a pas de caverne. Du coup bah je voyais pas, je m'étais pas rapprochée pour les puits. Et ben très bien. Donc on va avoir fini les puits aussi. Et il y a un truc que j'oublie encore. Hein. Il fallait, j'ai tilté un truc qu'il fallait que je fasse. J'en ai aucune idée. Tu sais comment elle s'appelle? Laquelle? Flo. Donc il me manque un cœur. Donc c'était la supposition de...
Donc là, Fleur qui est en train de me regarder les cœurs et tout. Que là, j'en ai. Ouais. Donc c'est bien ça. On peut en avoir que 38 des cœurs. Et donc il m'en manque un. Et donc, tu saurais si c'est une mission ou une quête secondaire? Donc il manque la statue maléfique. Mais c'est pas ça la statue maléfique. Je vais regarder. Hein. Ah oui, non, c'est la... La statue du diable. Bah peut-être, oui. J'ai dû... Bon, je me suis peut-être trompée, moi. Ça me dit peut... Non, je sais pas si ça me dit quelque chose. Eh ben, donc, on ira. T'as dit, sur le plateau du prélude... Ouais. Ça me dit grave quelque chose, en fait. Je suis désolée, les gens... Ouais, mais c'est compté en quête annexe. Donc en quête secondaire. Ok. On verra, j'irai voir. Je vais finir les puits et après j'irai voir. Je suis pas sûre d'avoir fait toutes les quêtes secondaires. Oui. Alors, bah oui, mais non, là, je suis en train de faire mes puits. J'ai 4 puits, sont les uns à côté des autres, Flark. Ça va. Peut-être, je suis pas obligée de rechercher les élusies. Peut-être on va juste chercher les coffres maintenant. Même si je... Ah oui, bah c'est ça qu'il faut que je vérifie, que j'ai aussi toutes les tenues. Voilà, tout ça pour ça. Il n'y a même pas de coffre, il n'y a rien. C'est vraiment juste qu'il fallait faire des puits, quoi. Bref. Donc, retournons à la surface. Oh, mais j'ai une super paravoile. Wonderful. Hop, un petit puits ici. Et on sait à quelle heure il est là, le petit picot. Ok. Oui. Il y a bien des gens qui sont là tout le temps. Ah, ici on a un petit Litorok. J'ai plus besoin de sous, du coup je fais plus le Litorok habituel, effectivement. Mais je l'ai déjà vaincu celui-là. Donc clairement, on va pas s'enquiquiner. J'ai moyen de... Voilà. Mais non, mais plutôt de là. Oh là là. Oui, je suis rentrée en vite. Et sinon, tu me laisses tranquille ou... Allez. Allez. Bon, ça m'a saoulé. Voilà, j'ai pris des trucs. Super. C'est vraiment intelligent. C'est mature comme. En plus ça existe. Non mais sérieux. J'ai un tout petit peu le seum déjà des Satori. Oui, j'ai eu un joli tissu. On va faire une paravoile. Mais t'as même pas regardé, on est allé la voir. Ah, mais je vais pas y retourner.
Non, du coup, j'ai gardé ma jolie parapole, j'ai pas mis ce truc moche. Ou alors il l'aurait dit quand même. Paravoile Satori. Ah, une étoile filante qui est tombée par là-bas. On s'en fout. Et donc il nous reste ce puits là. Regarde juste. Je suis Zora Goron Sheridan Sheka. Oui. Non, ils n'ont pas de cabot. Stalinox. Eh, il y en a, c'est avec des amiibo. Amiibo. Ah ouais, mais il y en a un paquet avec les amiibo. Il y a... Ok, tissu de la princesse d'Hyrule, de la dynastie disparue. Oui, non, il fait rien, le Satori. Il n'y en a jamais aucun qui fait rien. Donc désolé, hein, du coup, je regarde un peu les... Mais il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas grand-chose. Tissu Sano. Ah non, il y en a deux qui... Qui existent, mais ils me disent pas, ils savent pas les trouver. Hop, très bien. Donc, pardon, excusez-moi. Me revoilà. On va faire ce petit puits. Ah, ça va, ça m'aura pris 20 minutes. Ah mais oh là là, non ça va. Il a repris un peu d'endurance mais c'est vraiment un coup à suicider. Il n'y a même pas de coffre, il n'y a rien. Ça rejoint tout dans la même caverne. Très bien. Hop. Et maintenant on va se TP Zis. Non. Là plutôt. Ouais, plutôt là. Pour aller faire le dernier puits. Après on ira. Et pourquoi? Oh punaise, j'ai déjà oublié pourquoi on devait aller voir Pico. Ah oui, pour le dernier cœur. Oui, donc ça doit être celui-là qui... Alors. 2, 3, 4, hop, hop. Toukoudoukoudouk. Bah, on va le tuer, mais bon. Aïe! Alors, j'aimerais qu'on arrête de rigoler et de souffler là à côté de moi. Parce que vous avez entendu, étant donné qu'il glousse à moitié. On me dit, moi j'aimerais que tu arrêtes de faire n'importe quoi, tu vois, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Puis du lac Nabi méridional. C'est un peu profond comme puits quand même. Trouvez pas? Je suis jamais venue dans cette zone. Mais genre tellement pas.
rien de... Y a rien. Cassos. Hop. On va aller voir le gars des puits. Il va me donner rien du tout. Il suffit que tu sois rentré dans le puits. Oui. Bah non. C'est un endroit tout bâtard qu'on peut atteindre par d'autres endroits. Où je sais qu'il n'y a pas de IA et pas de tenue. Probablement. Mais je vais pas faire tous les monstres. Non, il reste 56 litres au roc. Non, j'avais dit au début, j'avais dit oui, je ferai tous les gros monstres. Puis on m'a dit il reste 56 litres au roc et j'ai dit je ferai pas tous les gros monstres. J'ai quand même fait les griocs et les molles d'arcor. En plus, cette jolie petite médaille, je peux pas la mettre sur moi, et ça me donne rien. Oui, mais non, ça va aller. Je m'en remettrai de ne pas avoir la preuve que j'ai fini tous les gros monstres. Mais je peux pas les prendre. Et marqué en gros, vous ne pouvez plus en ramasser, ça fait clon 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 clon. Tu suis vraiment rien quand tu regardes les streams. Ça fait 30 heures que je dis que j'ai plus de la place pour ces graines-là. Alors... Oui, mais ça, on s'en fout des gisements, tiens. Elle va me donner 30 rubis. Donc cette fois, tu as 40 rubis. On a dit 10 rubis par puits. On dirait bien que tu m'as indiqué la position de l'ensemble des 58 puits d'Hyrule. Mais alors, je dois lui donner la position des puits parce qu'elle sait pas où ils sont. Mais elle sait qu'il y en a 58. J'ai préparé un petit quelque chose pour te remercier. J'y ai mis toute ma passion pour les puits. J'espère que ça te plaira. Trophée de l'expert des puits. Père Neige vous a remis ce charmant puits miniature exposé dans une sphère de verre pour vous remercier d'avoir relevé pour elle l'emplacement de tous les puits d'Hyrule. Grâce à toi, je vais enfin pouvoir accomplir mon rêve. Je vais faire le tour de tous les puits du monde. Tu pouvais pas juste y aller au lieu d'attendre qu'ils soient tous marqués sur ta map? Dit-elle alors que j'ai utilisé la map tout le long, mais... Ah oui, il me reste ces deux petits trucs à faire. Ok, voilà. Donc, on va aller voir Pico. Donc, on a dit à l'entrée des limites. Puis, je vais me changer. Parce que la voile, elle a un intérêt fonctionnel. Même si en changer, n'a pas d'intérêt. Oui, là, ah bah oui. En plus, ça n'a vraiment aucun intérêt en propre. Bah, c'est ça, c'est. Enfin. Après, je vais regarder. Peut-être je peux la poser dans ma maison. Je sais pas, hein, c'est totalement. Je pense pas, mais. Pareil, les voiles, on devrait. Ça serait trop cool de pouvoir les poser dans notre maison. Voilà, oui, non, je peux rien en faire. Je peux même pas zoomer dessus, rien. Ok. Bon, déjà, moi, je vais me changer. Non, mais je remets ma tenue. C'est bizarre, ça, ce que tu dis. Ça fait 200 heures que, à chaque fois, je me rhabille comme ça. Non mais je vois qu'on m'écoute. Hein. Alors Pico. Au part, ça pousse bien. Bonjour voyageur, sois le bienvenu à Elimite, le village des légumes et de la teinture. Toi aussi tu t'es levé tôt? Moi, je dois venir monter la garde tous les matins. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux que je t'arrête? T'es un méchant finalement? Je suis un méchant. Quoi? Un méchant? Mais... C'est super, t'es le premier méchant que je vois. Je me disais aussi, t'avais l'air bizarre. Eh oh, ça va, ouais. Oh zut, je suis pas censée discuter avec les méchants. Ah ok. Non mais ok, je suis pas un méchant. Papa m'a dit qu'il fallait pas que je parle avec les méchants. Je ne suis pas méchant. Ah, t'es pas un méchant? Je vais te saluer comme il faut alors, c'est papa qui m'a appris. Attends, ça va me revenir. Ah, bienvenue à Elimite, le village des légumes et de la teinture. Ici, tu trouveras de délicieux légumes et des vêtements à la pointe de la mode. C'est bien ça, pas vrai? J'espère que je fais du bon boulot à la place de papa. C'est tout? Ah.
Tu sais, il y a une rue très animée avec des chouettes magasins. Et même une teinturerie. Et comme le monte la garde, il n'y a aucun danger dans le village des limites. Tu peux te détendre et profiter de ta journée. Ah ouais, faut vraiment, vraiment pousser, quoi. Bah non. Eh ben, peut-être je l'ai déjà faite, hein. Oui, après, ils parlent beaucoup, tous, comme ici, ils ne nous connaissaient pas. Donc, on a dit... Pico. La... Non, la statue. Du duable. Est-ce que... La statue maléfique. Donc après je suis peut-être pas à la bonne heure. Ou alors. Alors, en vrai, je vais aller voir la statue. Alors, c'est une mission. Donc déjà, on cherchait pas au bon endroit. Et donc on veut la statue maléfique. Pourquoi tu glousses toi? La pierre bleue, le plat ultime. La fierté des limites. La prophétie. Non. Ok, donc on ne l'a pas eu. Pourquoi il me la propose pas? Ça pourrait être que on vient pas à la bonne heure. Que elles sont vers la grange en haut de la colline, c'est un peu loin, mais c'est rudement chouette là-bas. Moi je monte la garde, alors tu peux y aller tranquille. Il n'y aura pas un méchant dans le village. Dis, tu connais Dame Zelda? C'est une super princesse. Tu sais, c'est elle qui a construit l'école du village. Mais plus personne sait où elle est maintenant. C'est pour ça que papa a quitté son poste de garde à Elimite. Il est allé chercher Dame Zelda au fort de guet. Mais c'est pas grave, parce que maman et moi, on s'occupe de tout. On monte la garde jusqu'à son retour. Ça va être long, les gars. Franchement. Alors, voilà. Alors... Oui, ça, j'ai confirmé que c'était à lui qu'il fallait parler. Non. Hop, c'est le grand monsieur qui se promène, on s'en fout, on monte la garde, y a pas de méchant. Il a trop. Je ne sais pas. Ah bah il me suit. Super. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Donc il faut que j'aille dans la rue très animée peut-être et qu'il va me suivre. Ah non. Je l'ai perdu, je l'ai perdu. Alors on va chercher sur un autre site. Non, 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 non. Non, non. On parlera avec la... Ouais, ils me disent tous de le suivre jusqu'à la statue. Donc je vais revérifier. Hein. Non, bah si. Bah voilà, bravo, super. Non mais... Oh. Pardon. Cette solution a été mise en 2017. C'est-à-dire que c'est dans le numéro 1. Donc je sais pas, mon dernier cœur, où est-ce que ça peut être. Est-ce que vous voulez qu'on revérifie les cœurs? De toute façon, il n'y a plus de personne. Que je vous aime très fort. Cœur. Tears of the Kingdom. Donc, 40 cœurs au total. Soit 10 de plus que dans Breath of the Wild. On s'en fout. 3 cœurs de base. Lueur via la statue de la déesse. Je l'ai faite. Et 6 en terminant les donjons et les boss de l'histoire principale. Il y a eu les commentaires.
Bon, bah, je ne sais pas. Il n'y a rien qui me dit facilement, donc je vais dire que je suis très bien avec mes 37 cœurs. Eh ben, cherche Florque. Pendant ce temps, moi, j'avais autre chose à faire. C'est bon, j'ai déjà oublié. Ah oui, c'était vérifier si j'avais bien toutes les tenues. Est-ce qu'on a toutes les belles tenues? Hop. Touk touk touk, tenue. Tears of the Kingdom. Vous le dites hein, quand vous en avez marre et il me reste deux petites quêtes à faire et du coup j'irai si vraiment vous en avez marre, vous me dites. Au lieu de partir. Super, je dis tenue, Tears of the Kingdom et ça me propose des costumes et tout. Mais dans le jeu, toutes les tenues. Voilà. Millennium, ils m'ont l'air pas mal comme Solus pour Tears of the Kingdom. Comment améliorer ses tenues? Ça, je m'en fous. Tenue à acheter. Tenue duveteuse, j'ai. L'armure de pierre, j'ai. Sabon, j'ai. Tenue furtive du village Cocorico, je l'ai. Tenue Nox au village Cocorico, je l'ai. Bottes des sables, bottes de neige. Très bien, j'ai. Trésor de lambda. Tenue d'escalade, barbare, blizzard, brasier, dieu démon, spectre, combinaison isolante. J'ai tout. Tenue de quête. Donc l'armure de soldat, je l'ai. La tenue Zora, je l'ai. Le chapeau de Gouttier, je l'ai. Je ne me rappelle pas du Nimondis à ce point. Et Gouttier, ah bah si, si, il est là. Voilà. Je vous laisse admirer mon superbe chapeau. Voilà, et puis avec la petite frangie rose là, parfait. Tenue de batracien, j'ai. Tenue des esprits, j'ai. Ah oui, la tenue des esprits, oui, très bien. Donc la tenue des esprits, on l'a achetée avec des cristaux d'Élusie. Tenue de la foudre, il y a. Nouvelle tunique de prodige, j'ai. Tenue de rêve. Tenue de rêve? Je sais pas quoi elle peut resservir. Oui. Je sais plus. Tenue de rêve. Ah oui, la tenue de rêve, c'est la tenue très très dérangeante. Je vais vous la remontrer, celle-là. Ouais, donc ça doit être ça. À la fin ou au début? Tenue de Tingle, j'ai. Très bien. Donc voilà, c'est celle-là, la tenue de rêve. L'armure de soldat, je l'ai. Vieil anneau capillaire, je l'ai. Enfin, c'est un élastique à cheveux. Hein. Le vieil anneau capillaire, c'est. C'est un élastique à cheveux. Qui fait zéro. Je sais pas. Moi, je crois que je l'ai battu dans la quête principale, mais peut-être pas. Masque anti-tonnerre, je l'ai. Uniforme de garde royale moche, je l'ai. Combinaison à jupette, j'ai. Tenue de sonium, j'ai. Et bouclier Ilia, j'ai. Hop, et ben franchement, on s'en sort pas mal. Oh. Oui, tenue de mineur, j'ai. Tenue des ténèbres. Donc là, c'est la tenue de mineur. Tenue des ténèbres, ok, c'est ça. Tenue noire, j'ai. Tenue du temps, j'ai. Masque de chèque, j'ai. Tenue du vent, j'ai. Tenue du crépuscule, j'ai. Masque de Xanto, tenue des Landes. Donc les tenues des Landes, c'est Breath of the Wild. Voilà, on me dit enfin. Masque de Majora et masque de Korogu. Je sais pas. Et hop, et toutes les diamants et les coiffures. Très bien. Et ben j'ai toutes les tenues. Clap, clap, clap. Tu me l'as décrit vite fait la tenue. Là, qu'est-ce que tu me parles? Par contre, il parlait pas des trois premières. Des trois premières tenues quand même. Bravo. Hop, donc ça c'est fait. On va aller faire la statue de la source de la sagesse maintenant que j'ai récupéré. Je l'ai fait. Je crois que je l'ai fait. Ça donne quoi comme récompense? Du coup, ça donne un cœur. On ira voir. Tu sais si c'est une quête ou une mission? Mais si, ça me dit quelque chose. Si, en plus. Oui, mais on l'a fait il y a. On l'a fait cette semaine.
Non, mais c'est bien, il y a des gens, tout ça, ils jugent, ils veulent que je finisse le jeu, mais ils écoutent pas ce que je fais. Aïe, aïe, aïe. On se marie à des gens et voilà. Hop. Alors, touc, 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 la tenue de la source de la force. C'est une quête secondaire. Bah, ça me dit pas grand-chose. Sur le plateau du prélude? Oui, mais... Hein? Quel... Bah, je suis bien dans TOTK. Oui, non, mais montre-moi où c'est sur le truc du prélude. Pas lire des coordonnées. Si. J'étais dit moins 0,570. Ok. Ah oui, mais ça change pas sur le bas à droite. Et ben, pendant que je fais ça, tu me trouves une map. Ben non, pendant que tu me trouves là le lieu, je peux. Je vais mon téléphone. Non, bah ok, je ferai après alors. Ça suffit. Mais je suis en train de faire une quête, ça me prend 2 minutes. Désolée, désolée beaucoup, hein, mais... Alors, il faut juste que je porte une griffe de Nedrak, ici. Ah oui, il faut le mettre dans la flotte, pas sur le machin. On va l'étrier par type. Oui, mais sur ma carte... Alors... Alors, la griffe de machin. Touk touk touk. Ok, quelles sont les griffes là? Griffe de Nedrak. Prendre. Lâcher. Tada! Ma gratitude est éternelle, ô preux chevalier. À la statue matriarche, j'offre à nouveau mon pouvoir. En remerciement de ta dévotion, reçois cette bénédiction de la déesse. Super, un saphir, qu'est-ce que tu veux? Fou de ma gueule. Voilà. Oui, j'ai une carte, tout à fait. je ne sais pas si j'ai les coordonnées. Alors, on va essayer sur la map. Non, j'ai pas les coordonnées. Mais on a dit c'est une quête. Mais quoi comme quête? Side adventure. Memory, non. Side quest, peut-être. Plateau du prélude. Oh, c'est le plateau du prélude, BOTW. Oui, a call from the depths. Donc ok, c'est bien là où je pensais. Donc ça c'est fait. Mais il me reste une quête là, là. Super, ça commence à râler. À chouiner Je te même. trouve la quête, tu l'as pas faite, elle va t'apporter un cœur et tu veux pas y aller. Mais oui, mais c'est toi qui es stressé qu'il faut que j'aie tous mes cœurs. Ah, je trouve ça bien d'avoir tous les cœurs, c'est tout. Je me doute bien que c'est pas ça qui va changer ta victoire sur le boss de fin. Et t'es conscient que j'avais jamais fait tous les cœurs. Oui. Aussi dans. Non. Mais je pense pas, non. Mais sûrement pas, non. Ça, c'est trop long. Bref, donc excusez-nous. Voilà, tu vois, tout le monde, il est parti. Au fond de quoi? Bah parce que mon sanctuaire était dans une grotte. T'avais jamais vu qu'il y avait des sanctuaires dans les grottes? On est sérieux. Il y a des choses que je fais uniquement parce que Flork veut que je les fasse, genre que j'ai tous les cœurs, machin. En fait, il regarde pas. Bref, on va aller gagner notre dernier cœur. Et donc on peut pas être blindé d'endurance et avoir 40 cœurs. C'est une honte. Je suis outré. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je verrai un mur de rochers massifs avec de l'eau. Tu as déjà été direct dans les ruines, pourquoi pas? Ah!
Ok. Mais où est-ce que je vais trouver ça là? Alors, excusez-moi, je vais regarder sur ma map. Pas dire que les informations données par Flore que j'y panne rien, hein, mais. Oh, to begin! The bottom of the plateau? Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Ça veut dire que il faut, en fait, il faut vider. Je pense qu'il faut vider ce lac. Donc en pétant un. Bon, peut-être qu'on peut le péter par là, je ne sais pas. C'est la tuile. Of the bottom of the plateau to drain the water. Et les rochers. Ouais, mais où du coup? Enfin, c'est un peu grand quand même le plateau du prélude. Là, t'as un barrage à gauche. Là? Alors, je pense pas que ce soit ça, mais on va aller voir quand même. Mais... Oui, c'est encore le plateau du prélude. Alors, en fait, c'est surtout on va. On a dit, c'est quoi? Profondeur? Hop, voilà, Zelda Tears of the Kingdom. Touk, je remets Twitch pour voir à quel point les gens s'en vont. Mais non, mais c'est pas ça que je veux. C'est Twitch. Désolé, je vais y arriver. J'ai 15 000 fois la carte ouverte. T'as regardé à quelle coordonnée? Je suis en moins 1440. Moins 16. Mais je peux pas aller en moins 0,570. Je suis pas comme dans Minecraft où certains, je ne le citerai pas, sont admins et peuvent se TP n'importe où. Alors ça j'y arrive jamais, clairement. Cette longue quête est normalement initiée en parlant à la grande statue de la déesse, présente dans les ruines de l'église. Mais, alors, on va y aller, on va aller lui parler quand même, parce que je vais faire une quête de qualité, qu'elle va donner des mots énigmatiques sur l'endroit où aller pour la libérer. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle vaguement, puis je m'étais barrée. Ah si, je me rappelle ce qu'il fallait faire. Les génies des profondeurs. Ah c'est elle du coup pour le génie des profondeurs. Mais je parle pas de la même chose. Ah ouais, pour aller du coup dans les villes de laine et battre le dragon. C'est ça? Et ça marche quand même des yeux tout ça dans les profondeurs. Bref, on va aller lui parler. Autre patate. Ok, donc elle parle d'une statue engloutie. Au pied du plateau du prélude, en face de l'étang, contre la muraille. Ok, donc ce sera ici qu'il faudra aller. Trois petits points. Le plateau, la porte de la muraille, mon esprit enfermé au niveau de l'eau. C'est pas ce que j'avais dit avant. Si, mais moi je voulais montrer aux gens les mots énigmatiques qu'elle disait. Non mais sinon, tu sais, je peux aller me coucher aussi. Oh, un corbeau.
Nya-ha! Et je vais pas avoir fini du coup avant ce soir. Ouais, sinon je dépasserai un peu. Donc on a dit ni. Non mais on s'empête des coffres. Je vais enlever mes détecteurs. Non mais il n'y a plus de tenue à avoir, il n'y a plus rien donc. Les poissons. Oui, il y a la baleine. À chaque question que tu poses, ça me brise le cœur. Ça. J'ai pas tout le temps le son, ou des fois je travaille. Ça tombe des îles célestes et ça me permet de prendre de la hauteur en utilisant le sort rétrospectif. Alors. J'avais vu. Ah mon Dieu! Je vais me prendre la flotte sur le coin de la gueule, moi, non? Et toute cette eau là, elle va où? On y pense à ça. Oh les pauvres petits poissons! Pauvres petits poissons! Pauvres petits poissons! Bah pourquoi vite? Non. Donc. Ouais, c'est un génie ça. Donc ça règle mon problème, deux en un. On dit merci Florque. Toi qui entends ma voix. Viens à moi, dirige-toi vers les ruines du temple du temps, au bout du chemin, sur le plateau au sud d'ici. Ben je sais, j'en viens. Tu vois que je t'avais dit que c'était le début. Tu me crois jamais. Mais non, mais je t'avais cru. Mais juste. Mais si, je t'avais cru. Mais juste. Je voulais voir le début, ce qu'elle disait, ce qui pouvait nous mener à cet endroit. Que de toute façon, j'aurais rien pané, même. Enfin, sans la soluce, quoi. Donc oui, il y a des sanctuaires dans les grottes. Moi, je vous le dis, elle est pas facile, la vie de tout le monde. Alors. Mais pourquoi? Parce que elle, c'est une statue de la déesse, c'est pas un génie. Mais si, mais le truc à quoi on a parlé dans la flotte, c'était un génie. Mais elle, c'est une statue de la déesse à qui on va parler dans le temple. Donc je suis à. Tout cela me plonge dans la perplexité. Mais oui, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et après, enfin, ça n'a aucun intérêt. En plus, l'objet qui loot, je l'utilise pas. Ça me prend de la place. C'est naze. Bref. Oui, bah. Ouf. Allez, il est 21h15, tout va bien. Peut-être on peut rouvrir le volet. Toi qui entends ma voix, en évacuant l'eau par la. Mince, pardon. Bref, j'ai revêtu l'apparence de cette statue pour te parler depuis les profondeurs de la terre. Donc c'est bien un génie, mais qui prend l'apparence d'une déesse. Toi qui entends ma voix. Ok. Rends-toi auprès des quatre abîmes du plateau que je t'indique à présent. Prends mes yeux qui sont près de ces abîmes et jette-les dedans. Apporte-les ensuite jusqu'à moi, dans les profondeurs de la terre, sous ce temple. Si tu fais ce que je te demande, tu seras récompensé. Et donc c'est. Ah ok! C'est le premier génie que j'ai rencontré. Très bien. Eh ben, allons-y. Eh ben, on va commencer par là. Non, mais il y a un peu trop de lumière encore. Hop!
à quoi ça va ressembler ces yeux? Ah oui, non, ça c'est des Iga parce que il y a des Iga sur le plateau du prélude. Je vais me rechanger. Même si en ce moment j'escalade pas trop. Ça moche qu'on puisse pas avoir 40 coeurs et oh mais c'est gros ça dis donc. Et de 1. Je vais me faire mon petit matos là comme entre deux, j'ai pas de raison de le perdre. Ça, je vais pouvoir me faire les tout le monde. Bah, voilà. Fabricant. Je voulais voir si on perdait des cœurs. Pardon. Je vois l'abîme là-bas. Bon, et puis du coup, à demain, ce sera la fin. On fera voir si si je finis plutôt demain matin ou demain après-midi. Après, je vois pas trop ce que j'aurai à farmer demain matin. J'ai l'impression qu'il y a des remarques à côté de moi. Bah si, c'est un œil. Oui, bah oui, l'arrière de l'œil, ça ressemble pas à un devant de l'œil. Je l'ai loupé. Est-ce que ça... Parce que ça m'a pas dit mise à jour. Non, si c'est bon. Alors, mon petit. Mais oui. Pourrait aller plus vite quand même. Hop. Alors, je vais arrêter de zigzaguer peut-être. Il pleut sa mère quand même. Bah franchement ça va, mais il est grand le plateau du prélude. Franchement je pense au début de Breath of the Wild, j'y ai passé quoi 20 heures. Enfin c'est la folie. Il y avait 4 sanctuaires, donc avec les 4 pouvoirs, et t'avais le petit papy là qu'il fallait aider, que je connaissais pas le mot venaison, donc je comprenais pas. Fallait que je cherche. Juste, bah en fait, fallait juste chercher de la barbac. Il fait un peu frais chaud. Il fait combien? Il fait moins 6, ça va. On va pas se changer alors qu'il fait que moins 6. Hop. Ah oui, mais dans l'eau. Oh, il y a un Korogu par là-bas. Bah, c'est dommage. Alors. Ah non, il est dans le... Bon, non, ça va, je trouve, c'est pas si pire. Parce que c'est...
quand tu donnes pas des coups, vraiment ça. Pas c'est. C'est smooth, c'est. Fluide. Bref. Où est-ce qu'il est mon machin? Il est là. Oui, bah oui, mais si t'as trop froid, je sais pas. Prends les commandes. Hop, et du coup, il me reste celui-là, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Pourquoi c'est? Parce que juste. Mince, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Juste, il guide pas du tout, c'est un boulet de canon. Ah, il est prêt à partir. Oui. Oui, c'est. Tous les jours, on est déçus. Si, j'utilise pas mal. Après, pas énorme, énorme, mais pas mal quand même. Enfin, j'ai utilisé, je sais pas, 25 fois tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Non. Il y a quand je suis pas sur une machine, il y a le copain Piaf qui me fait du vent. J'espère t'as repéré. Ah, ça va. T'as perdu ta machine? Mais c'est pas grave. Mais je suis au bon endroit. Et après j'ai plus besoin de revenir. Alors par contre, est-ce qu'il est en haut ou en bas du. Il doit être en bas. Ah, il est sous le machin là, je crois. Non. Non, pas du tout. Mais il est où? Avec quoi? Oui, bah ça va, j'arrive. Mais j'avais dit, je crois qu'il est là-dessous, j'ai même zoomé. Bah oui, après je me suis dit que non, et voilà. Aïe aïe aïe. Appel des profondeurs, vous avez jeté les quatre yeux dans les abîmes et devez maintenant les apporter à la voix. À la voix, mais ça veut rien dire, à la voix. Enfin, c'est là, ok, mais. Ah non, faut que je les traîne jusqu'à. Oh punaise! Oui, il faut que je rentre dans l'abîme, mais faut. Je vais devoir me coltiner les quatre trucs. Oh punaise. Non mais en plus il faut que je commence par celui-là. Bah parce que sinon je vais faire des allers-retours. Je sais pas où tu les as. Si, il faut les amener là, elle a dit. Non, à la voix. La voix, tu sais pas encore où elle est. Mais si. Il faut le mettre. Alors, elle a dit tout pile en dessous de là où qu'elle était. Et elle était là. Et du coup, à peu près par là, quoi. Ah mais au moins. Ah non. Je me disais, au moins on a un. Ah si, peut-être. Il y a peut-être un chariot qui va de là jusqu'à de là-bas. On va essayer. Déjà, on va se suicider ici, là. Oui. Ah oui, t'as jamais vu une descente dans les abîmes. Alors, le non-œil. Ok, très bien. Ouais, si j'avais pas débloqué la racine, ouais. Et c'est donc pas suivi que j'avais toutes les racines. Oui. Par contre, je sais pas qu'est-ce qui va peser l'œil. Je pense que je vais en chier. Mais je vais quand même aller chercher celui-là d'abord. Mais non. Pour pas me faire trop d'aller-retour. On va voir. Ah ah ah. On va pas faire ça.
c'est parce que l'œil il est carrément trop lourd. Non mais en fait je vais essayer de le mettre en dessous surtout. En dessous au milieu. Non, j'ai pas du tout mis au milieu. Je crois qu'ils sont un peu lourds. En vrai, c'est possible que juste ils veuillent pas me les. Que ce soit vraiment trop lourd. Après, là, il y a des wagons, hein, mais. Mais faut y aller jusqu'au wagon quand même. Alors, on est bien au milieu. Ça va. Ok, ok. Et puis ouais, c'est pas très très. J'ai rien demandé moi. Oh oh. C'est la tuile. 10 fois plus profond que là où tu es. Ouais. Mais je crois que les. Voilà, là il y a des rails juste là. Enfin, j'y suis pas, mais. On va juste aller au rail. Hein. Allez, je t'y pépère. Aïe aïe aïe. Oh, c'est une horreur. Voilà, voilà, hop. Hop. Voilà, hein, on va pas... Alors j'aurais pu essayer de me poser sur les rails, mais j'aurais pas réussi, ça m'aurait saoulé. Mais si, je vais récupérer la vie, ça va, ça va. Oh. Faut remettre Twitch. Hop. Est-ce qu'il y aurait un chariot par là ou faut que je m'en fabrique un? Tout chier. Ça au moins. On sera plus pépère pour mettre le chariot. Heureusement. Je suis sûr que tu peux faire plus malin qu'un chariot. Ah mais je vais même pas essayer. Sérieux. Voilà, hop. On va monter dans le chariot. Mais pourquoi? Bah je m'en referai un. Ouais, il est super lourd. Tiens d'ailleurs, je vais éviter d'être bête et je vais aller chercher le deuxième d'abord. Non, il faut coller sinon. Sinon il compte que le truc il fait 800 kilos. Hop. Parce que je l'avais mis en direction de la suite et pas en direction de l'autre œil. Oui. 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 C'est la fin de la piste. Il est là-bas. Si, je suis allée dans la bonne direction, mais ça jointe pas en fait. Ou alors. Oh là là là. Voilà, on va voir si je le vois d'ici. C'est plus haut ou plus bas. Si je regarde pas dans la bonne direction. Ok, je vais juste aller voir si je le vois d'ici. Ah bah voilà, si on va. Je vais prendre mon petit chariot. Il faudra juste se trimballer le chariot. Oui, j'ai que ça à faire. Non mais après ça va m'utiliser toute mon. Toute mon énergie. Hein. Et on économise un peu l'énergie quand même. Oui. Des petites batteries, des petites fusées. Bah, non, j'avais pas m'arrêter. Puis en plus, on était en pente, donc j'aurais. Enfin. Ouf. Bah, on avance un poil moins vite. On chie bien.
s'en est sorti. Je pense que j'aurais eu un deuxième œil, c'était pas. Hop, très bien. Je vais le descendre au cas où. Ils se disent tiens, et je me barrais. Hop, et où c'est qu'il est le petit yeux? Il est là en bas. Alors par contre, c'est pas impossible que ça ait rechargé là où j'ai laissé mon œil. Et que du coup, il n'y ait plus mon œil. Donc je vais dire des gros mots si ça arrive. Parce que sérieux, il recharge vraiment très très proche. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle dans ce jeu-là. C'est bon, il est encore. Oui, il est encore. Peut-être on va mettre des fusées, des batteries. T'inquiète. Hop. Magnifique. Mais... Et d'ailleurs, il faut que je mette un pompon sur ma... sur mon épée. Ah là. Touk touk touk. Un petit pompon. Ouais, un petit pompon. Ouais. Parfait. Alors, on arrête de rigoler à côté, ouais. C'est pas facile, hein, ce truc. Hein? Je ris, c'est juste ça, pas de... C'est toi l'échec. Alors, ensuite, où est-ce qu'on va s'en caler? C'est sûr que... Non, bah non, je vois pas l'intérêt. Très bien, mon chariot. Faut juste pas que je me mette sur la mauvaise piste. Genre, celle-là. Je sais pas ce qu'il y a là-bas dedans. En tout cas, il n'y a pas de tenue, donc il n'y a pas d'intérêt, mais. Mais en vrai, ça me pose question. Ah, ça doit venir jusqu'à cette mine-là. Non, je vais pas me la faire tout de suite là. Et... Magnifique. Ah, j'ai pas pris de batterie, effectivement. Merci. Faut juste que quatre je... yeux, mec. Oui mais en fait j'ai les. Je passe d'abord par par le centre avant d'aller chercher les deux autres. Et lui il va falloir se le traîner. Il n'y a pas de piste. Bon, on sera une voiture, j'espère que c'est à peu près plat. Alors... Oui et je quadruple. Non, 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 non. Éteins toi. Donc. Alors, probablement pas. Oui, mais parce que les fusées, elles sont vraiment en temps très très limité. On va passer par là et essayer de retrouver la piste. Ouais. Finger in the nose. Non mais sinon j'ai rétrospective. Aïe aïe aïe. Normalement, j'ai été décapité, hein, on est d'accord. Laissez-moi rentrer.
Vas-y, reviens par là. Allez, allez. Mais allez, c'est bon, ça me saoule. Viens là, toi. Arrête de bouger. On s'arrête. C'est là le creux à peu près, hein. On a réussi. Là, franchement, je vous offre du grand moment de jeu vidéo. Donc en fait, c'était que avec les turbines, enfin avec les propulseurs, là, les fusées, on s'est juste envolé. C'était un peu dommage. Hop. Oui, mais comme je le referai pas. Je mettrais juste pas de. Mais pas de. Ça va quand même. Non. Mais j'ai pas envie d'essayer. Alors en fait, quand on les met pas vers. Enfin, quand on les met vers le sol ou vers des endroits où elles peuvent pas aller, elles se décrochent juste. Donc tu passes 20 minutes à les poser dans une bonne position et elle se décroche et elle fonce plus loin. Du coup, bah ça marche. Voilà. Regardez. Regarde mes 200 heures de stream et tu verras que j'ai fait des trucs avec ça. Tchou tchou! Bah. Locomotive toute seule, elle fonce tout chou, hein. Alors, donc ça explique pourquoi il y a plein d'ascenseurs et du coup le génie est un peu en haut. Est-ce que je monte le chariot avec? Je suis pas sûre que les turbines. Non, il faut que j'enlève le chariot parce que sinon ça va allumer mes turbines aussi. Ah, ouais, si je le mets dans le bon sens peut-être. Puis je vais le coller aussi. Voilà. Ah. Oui, moi j'allais pour que lui il aille vers le. Il est trop lourd. Oui. Moi aussi on peut faire ça. Pourquoi? Ah oui. Oui bah oui, je veux toute la vie. Voilà, très bien. Et donc ici. C'est-à-dire, je pense. Et de 1. Tu m'as restitué un de mes yeux. Souviens-toi des abîmes vers lesquels je t'ai guidé sur le plateau. Je pense que c'est que la cinématique qui fait qu'il a disparu. Rapporte-moi jusqu'au dernier tous mes yeux situés non loin d'eux. Oui, s'il avait disparu, peut-être j'aurais rage quit. Je serais allé me coucher et. Revenu demain. Très bien. Bon, il est 21h46. Tu pourras préparer le bébé demain. Hop. Après, il n'y a pas besoin de s'en souvenir. C'est marqué. Enfin, il y a des petits trucs. Donc, je ne sais pas si tu as entendu ma question. Je m'appelle. Hop. Alors. Non, il n'y a pas de quoi se téléporter par là-bas. Mmh.
Ça m'aurait arrangé de pouvoir m'infiltrer. Tu peux réparer le bébé demain. Hop. Alors, on va par là-bas. C'est Darky mon kiki. Il est pas trop loin celui-là. Et donc j'aurais même pas 40 cœurs. C'est une honte. Alors, on va chercher un petit wagon. Ah mais du coup, j'ai pas récupéré trop de sonium. Et c'est parti. Oui, c'est bien par là un combat. Oui. Et... oui. Oh là là. C'est bon, c'est passé. Oui, bon champ. Alors, est-ce que j'étais assez haut? Eh bien, and the last one. Ah bah il y a un téléporteur juste à côté. Abîme noir de prime. Hop, alors, touc touc touc. On fait le tour. On a de quoi se faire une voiture, quoi. Très bien. On va se le tenter, il y a des roues. Franchement, je pense que ça passe. Hop, on va se faire un petit tank, donc il me faut deux autres roues. Que j'ai qu'un tank à 6 roues. Hop. Oui, il y en avait 4. Il y en avait 6. Et c'est des turbines. Bah, je suis pas sûre que ça ait un peu d'intérêt. Mais on peut essayer. Ça va juste me drainer la base. Ah, si tu les mets dos à dos, effectivement. Oui. Hop. On va éviter d'oublier. Bah non, ça se traîne.
Ah oui, les sirops, c'est... Franchement, Mais chaque c'est... fois que tu redescends, ça re-remplit la batterie. Oui. Mais je peux pas faire de roue libre. Alors que dans le train, tu peux. C'est pas du tout pareil à conduire du coup. Avec les turbines. C'est rigolo, on chasse du cul. Maintenant qu'on a fini nos batteries. Vous connaissez beaucoup à vous de trucs comme ça, mais quand c'était une... que quand tu appuies sur le joystick vers l'avant, ça va plus vite. Donc si genre si on appuie sur notre volant, peut-être ça va plus vite, c'est pas sûr. On trouve un trou. Bonjour messieurs, vous marinez chez Boiran. Sois le bienvenu. Cet endroit faisait jadis office de raffinerie. Oui, on s'empête. Okay. Comment on descend? Non, 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 non. Non, non, c'est en dessous. Oui, mais c'est un lanceur de planeur pour visiter. Voilà, là j'ai un escalier. C'est un artefact. Bah ça va, c'est juste un œil. Attends, déjà je lui ramène. Puis on s'est fait chier en plus. Allez, tiens. Oh, il y a plein des... y a plein d'ascenseurs. Tada! Piouf! Merci de m'avoir restitué les quatre yeux qui renfermaient mon esprit. Je peux ainsi te parler, à présent. Je suis celui dont les quatre yeux furent jadis dérobés et qui fut ensuite enfermé. Oui, bah, ça va. J'attendais l'élu capable d'entendre ma voix et de répondre à ma demande. Et maintenant, je vais te récompenser comme je te l'ai promis. Ah oui? On me l'avait promis? Je vais t'offrir le réceptacle de ton choix. Lequel veux-tu? Tu regorges déjà d'énergie. Il ne me semble pas nécessaire de t'offrir un spectacle d'endurance supplémentaire. Pardon, mais Flore qu'il a fait une petite crise cardiaque. Bon, bah, réceptacle de cœur alors. Reçois donc le réceptacle de ton choix. Bah non, je reçois pas le réceptacle de mon choix. Mais de toute façon, il y a une statue à qui j'aurais pu lui rendre de l'endurance pour avoir des cœurs. Tada! Bloop. Ton vœu a été exaucé. Et voilà! Et donc, il me reste une quête annexe. Et après, je vais au dodo. Et demain, je sais pas encore si je ferai demain matin ou demain soir. On ira battre Ganondorf. Donc moi je veux décorer le relais des prairies gelées.
après riz gelé. Hop. Donc, Varken, le propriétaire du relais des prairies gelées, voudrait y accrocher une toile de la silhouette d'oiseau géant qui déploie ses ailes sur la chaîne des bras, visible vers le nord-ouest depuis le grand arbre solitaire du mont Barès. Ok. Hop, mont Barès. Donc, on va venir ici et on cherchera. Où est-ce qu'on voit un truc qui pourrait ressembler à un vague oiseau que je ne comprendrais pas et du coup juste je chercherai avec mon appareil photo. Ça me mettra un point d'exclamation quand lui pensera qu'il y aura un oiseau. Ils sont forts ces appareils photo. Hop, alors il a froid et gna gna gna. Alors que je sais pas vous, mais nous on n'a pas trop froid. Alors c'est pas du tout par là qu'on va. Voilà, et ça va être la fin de ce Zelda. Donc après, je pense que nous commencerons par A Link to the Past. Donc celui sur Super NES. Mais je pense que j'ai loupé quelques petites quêtes annexes. Mais pas de quêtes qui me donnaient des tenues, ni des cœurs. Donc je pense que. Je pense qu'on est bien. Oh, y a un gorille. Nya-ha-ha. Et salut Nerdralis! J'espère que ça va! Et du coup, je sais pas si t'étais là il y a quelques minutes. Demain, je sais pas si c'est le matin ou le soir, j'irai battre le boss. Parce que là, on a tous les cœurs, on a tous les sanctuaires, on a eu tous les élusies. Et donc voilà. Donc là, il me restait une dernière quête à faire. Prendre en photo un truc qui ressemblerait peut-être à un zozio. On m'a dit nord-ouest. C'est par là. Silhouette d'oiseau géant. Bah franchement, je vois pas du tout de quoi il parle. Mais bon. Ah oui, si d'accord, ok, je vois. Là c'est la queue, là c'est l'aile, et là-bas c'est le bec. Ok. Ça c'est fait. Il est 22 h! Donc on va aller valider cette quête et après moi ce sera le moment de faire dodo. Et donc je vais voir normalement en théorie demain matin c'est du Zelda. Et ben je pense que demain matin on ira se faire le petit ganon là. Pépère. Que ce sera bien. Donc, on va lui donner la photo. Donc voilà, j'ai toutes les tenues aussi. J'ai vérifié tout à l'heure. Oh, je vois que ce cadre vide t'intéresse toujours, Maître Link. J'aimerais bien accrocher la silhouette d'oiseau géant. J'en ai une. Qu'est-ce donc? Tu as une image de la silhouette d'oiseau géant qui déploie ses ailes sur la chaîne des bras. Tu veux bien me la montrer? Tada! Oh, c'est exactement ce que je voulais. J'adorerais exposer cette image dans mon relais. Tu veux bien me laisser en faire une reproduction? Mais bien sûr! Merci! C'est fou cette illusion d'optique. On dirait vraiment qu'un oiseau géant qui déploie ses ailes est dessiné sur le sol. La nature est une artiste souvent copiée, mais jamais égalée. Bien, alors je vais de ce pas la reproduire. Un instant, hihi, fais-moi confiance. J'ai un plutôt bon goût de bon coup de pinceau. Pardon. On l'a lu 27 fois cette phrase et.
J'arrive toujours pas à la lire. Frouch, 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 tout ça. Oh. Ça rend vraiment bien, c'est parfait. Je te remercie, Maître Link. Oh. T'es le meilleur. On pourrait pas rêver plus belle toile accrochée au mur du relais. Merci infiniment. Oh. Gna, 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 si je reprends en photo. Et voilà. Oh. Un ragoût de viande pic-pic. Ah si, je voulais juste essayer un autre truc. Oh, un diamant. Oh. Donc il veut me redonner de la bouffe. J'ai cru comprendre. Hop, triez vos affaires. Manger. 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 Yeah. Tu as bien du courage de travailler aussi tard. Oh. Non mais moi je veux ma récompense. Oh. Tiens, c'est pour toi, avec tous mes remerciements. Ça ne rentrera pas dans ta sacoche. Je voulais t'offrir 5 portions du plat spécial des relais. Parce que du coup, j'ai fini les... Donc j'ai dû finir toutes ces quêtes-là. Manger. Hop, on va réorganiser aussi, ça peut être pas mal. Oh. Ma récompense, on va y arriver. 5 gâteaux à la carotte Vitalis. Ah, c'est cool ça. Ok, non, franchement, c'est pas dégueu. Enfin, c'est plutôt... Ok, très bien. Parfait, je suis bien contente. Après, du coup, je suis tellement blinde de Vitalis. Mais je suis plutôt contente. Ok, très bien, soit. Et bien voilà, il est temps donc pour moi d'aller me coucher. On va vous... Le dernier relais, il m'a donné 5 gâteaux à la carotte, donc qui recharge tout l'endurance et qui en donne du enrab. Et donc, j'ai joué 245 heures. Franchement, c'est pas mal. Et du coup, bah demain, probablement demain matin, sauf si vraiment je vais le mettre sur Mastodon, et si vraiment tout le monde sur Mastodon me dit « attends le soir », bah j'attendrai le soir, mais normalement demain matin, pouf pouf, on finit ça. Du coup, bah, je pense que demain soir, du coup, je commencerai un autre Zelda. Je ne sais pas encore lequel, probablement A Link to the Past, parce qu'il y a une seule personne qui m'a dit, bah, je pourrais faire celui-là, quand j'ai dit, bah, qu'est-ce que je fais. Et du coup, je pense que ce sera ça, celui sur Super NES. Voilà, voilà, et ben, merci beaucoup d'être venu, tout ça, et, et ben, je vais vous envoyer en raid chez Catafol, qui joue à Frostpunk. Donc soyez sages, et je vais vous dire bonne soirée. Hop, on va lancer le raid. Je ne vais pas avoir de son, donc il faut que je l'ouvre sur mon autre ordinateur. Hop. Je sais pas, je vais voir. Hop, et on lance le raid. Hop. Bonne soirée tout le monde. Je sais pas s'il est parti le raid. Non, il est pas parti. Pourquoi? Si, t'es sur Catafol. Ah. Eh ben ça va. Alors. Flûte, j'ai mis pause.